Les Beaux-Arts, c'est ce qui m'a amené au deuxième moment, pour ainsi dire, de mon expérience, là. C'est que je réussissais assez bien aux Beaux-Arts et j'aimais énormément ça. Mais ce que j'aimais encore plus, c'était l'ambiance de Montréal, dans les années que l'on dit, 64, et qui s'en allait jusque vers 67. Et on parlait de l'Expo universelle qui s'organisait avec Montréal. Montréal passait de ville tranquille et de métropole du Dominion britannique à une ville beaucoup plus contemporaine, nord-américaine. Et puis, où effectivement, il y avait une montée des classes moyennes francophones, c'est-à-dire une présence, les chansonniers, toutes ces choses-là, ça correspondait avec aussi ce mouvement de la révolution culturelle tranquille, d'épanouissement, de réaffirmation de ce qu'on appelait encore les Canadiens français, mais qui assez rapidement prendrait le nom plutôt de Québécois, territorial plutôt que de diaspora et tout ça. Alors, ça faisait un milieu d'agitation qui était très, très stimulant. Bien sûr, je m'intéressais à toutes sortes de choses. Je courais les librairies pour lire tout ce qui pouvait tomber sous la main. Le livre de poche que je commençais à découvrir, surtout en anglais, mais qui permettait d'acheter des livres pour pas grand-chose, avec les revenus minimaux, je crois, je ne sais pas qu'est-ce qu'on dit, d'étudiants. Cela étant dit, je m'étais, pour une raison, je dirais, esthétique, intéressé aux Vikings et de là aux Inuits, aux Esquimaux. Il y avait quelque chose de terriblement exotique de ce peuple du Nord. Je crois que c'est par mon intérêt pour les Vikings que j'ai croisé, grâce à Eric le Rouge et à Leif Erickson, les Skraeling des terres de roche du Nord de l'Amérique. Et c'était des Esquimaux, disait-on. Alors, il y a une autre chose aussi. Je faisais de la gravure et j'avais trouvé que de faire un personnage qui était sur une ligne d'horizon fixe simplifiait la composition. Un peu comme le peintre Jean-Paul Lemieux, par exemple, qui vous installe un petit personnage avec la ligne d'horizon. Ça prend un côté dramatique qui est intéressant. Alors, je m'étais mis à faire des petits Esquimaux, parce que je pouvais les mettre sur la neige ou sur la glace. Et ça simplifiait beaucoup la composition. N'empêche que j'étais en troisième année des Beaux-Arts, et je rencontre ici à Québec une copine d'une copine qui me dit avoir été l'été précédent enseigner le français aux Esquimaux. Ah, j'ai dit, comment tu as fait? Est-ce que c'est possible de faire une chose pareille, un emploi d'été? Je disais, ce serait vraiment un rêve de pouvoir faire ça, parce que je me voyais revenir de là, auréolé de l'image d'un grand explorateur du pays, de l'Arctique et des Esquimaux. J'étais sûr que ça allait faire un tabac auprès des filles de Montréal. Donc, je dis, si je vais passer... je vais passer un été là. Au retour, je vais encaisser les bénéfices. Comme vous voyez, ce n'est pas une attitude anthropologique. C'est une attitude plus libidineuse. Bon, par des méandres divers, effectivement, je réussis à être embauché pour aller, soi-disant, enseigner le français durant l'été. Mais là, on me dit que ce ne sera malheureusement pas chez les Esquimaux, que ça va être chez les Indiens de la Baie-James. Ah, alors là, j'y étais. J'ai dit, ça y est, est-ce que j'y vais? C'est pas possible. Les Indiens, voyons. D'abord, j'en connaissais. Il y en avait au Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'en avais même, pour ainsi dire, parmi mes camarades d'école, parce que les Pères Oblats, chez qui j'ai étudié, avaient aussi comme raison d'émission chez les Indiens, en particulier les Montagnais, les Inuits, du Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord, et avait trouvé des bons sujets pour venir faire le cours classique. Alors, j'ai fait tout mon cours classique avec des camarades pas intimes, des bons copains qui étaient des Indiens. Ils ne savaient pas pour moi cet aspect exotique des Inuits tel que Flaherty aurait pu les présenter, là. D'autant plus que pour les dessiner, ça allait bien aussi. Tu n'avais pas le problème de faire des yeux, tu mettais des lunettes à neige. Et puis ensuite, ben, tu n'avais pas le problème d'organiser les chevelures, tu le mettais tout simplement une capine. C'était tout à fait parfait pour des fins graphiques. Alors, bref, j'étais très, très déçu d'être envoyé chez les Cris de la Baie-James. Mais j'y suis débarqué, et c'était un terriblement beau petit village qui s'appelait, du nom anglais, de Paint Hills. Et c'était au bord de la rivière Makadoa, la rivière du Huard, qui se jetait dans la Baie-James. Et il y avait là des arbres à cause de la rivière, il n'y avait pas simplement d'arbres. Et le beau petit village qui avait été construit au début des années 60 à la suite du déménagement d'un très vieux poste qui s'appelait d'ailleurs Old Factory, le vieux comptoir de la baie d'Hudson, un peu plus bas, mais qui était en quelque sorte ensablé par l'érosion, graduellement. Il n'était plus possible d'approcher les bateaux, d'approcher les avions, les hydravions, bon, et qui donc avait été déplacé dans ce beau petit village-là. Et j'y suis arrivé et j'ai trouvé que c'était amplement exotique. J'ai jamais demandé si les Autochtones avaient une identité différente de nous. Au contraire, je dis un peu à la blague, plus tard, j'ai appris dans le milieu autochtone que j'étais un blanc. Parce que dans mon enfance et dans mon esprit, j'étais ce qu'ils appelaient les Blancs, c'est eux qui mènent tout, et ils sont ambitieux, rationalisateurs, et tout ça. Non, non, ça, c'est ce qu'on appelait les Anglais, les dominateurs. Moi, j'étais convaincu d'être, au contraire, un Canadien français catholique, c'est-à-dire légèrement assujetti dans l'ordre des hiérarchies entre les peuples. Sauf que dans mon enfance, il était très clair qu'en dessous des Canadiens français catholiques, il y avait les Acadiens qui venaient des îles de la Madeleine pour travailler dans l'aluminium et le papier. Même si j'ai été élevé au travers d'eux, il y avait quand même un préjugé envers les Acadiens. Les hiérarchies, ça existait. Les Autochtones, je savais aussi qu'ils étaient au bas, pour ainsi dire, de la pyramide des statues. Mais pas mes camarades qui étaient tout à fait égaux à nous. Et puis, dans mon souvenir, en tout cas, et certainement dans les relations que j'ai eues avec eux, mes amis montagnais. Mais dans le schéma des grandes choses, là, je me suis aperçu que ce qu'on affectait aux Blancs, c'était tout ce que, dans mon enfance, du fond du monde canadien-français, ce que l'on affectait aux Anglais. Ils représentaient, pour ainsi dire, le monde qui s'impose à toi. Et sur le coup, par conséquent, j'étais tout à fait charmé par l'exotisme du genre de vie qu'avaient les Autochtones. Et puis, je me suis rendu compte extrêmement rapidement, au bout de 2 semaines, que je n'enseignerais pas le français. Parce que j'ai eu beau annoncer que j'apportais la lumière de cette langue, les Cris n'avaient pas une très bonne opinion des Français. Des Québécois, tout ça était formait un amalgame. Français étaient associés à missionnaires catholiques, alors qu'ils étaient tous anglicans, et qu'il y avait eu des inimitiés qui remontaient plus loin, aux années 30. Le Père Oblats était installé à la porte de la Baie-James, à Chisasibi, l'ancien Fort-Georges, mais était un petit peu un corps étranger parce que tous les Cris étaient anglicans. Français, on savait aussi que le gouvernement du Québec avait des prétentions sur le territoire, et comme on avait déjà le gouvernement du Canada, la loi sur les Indiens, qui avait cette idée de paternalisme quand même bienveillant qui te protège. Il n'était pas du tout question de changer de couronne à laquelle s'assujettir. Donc, je suis arrivé là comme un chien traditionnel dans le jeu de quilles. Pas personnellement mal reçu, mais avec une distance en voulant dire, écoute, t'as rien à faire ici, et c'est pas nous qui va te donner du travail, et on n'a certainement pas cette possibilité pour prendre des cours de français. Et il y avait seulement un missionnaire ménonite qui s'était présenté pour les cours, et avec sa femme. Et quand j'ai été la deuxième journée à être assis devant deux personnes qui sourient sans rien comprendre à tout ce que je dis, ça taxait trop lourdement ma faculté de me dévouer pour la langue française, de toute manière, qui n'était pas un souci qui me hantait. Ça me pressait davantage, à l'époque, d'apprendre l'anglais. Surtout que dans le milieu, évidemment, la langue seconde d'échange, c'était l'anglais. Dans un sens, j'ai appris l'anglais un peu à Montréal, mais je l'ai surtout appris l'anglais sur le terrain avec mes copains à Cris. Alors, j'ai appelé le directeur général de la boîte au gouvernement du Québec. Il m'avait embauché pour l'été et je lui ai dit que je n'enseignerais pas le français. Que à ce titre-là, je serais aussi bien soit de revenir si vous voulez me ramener ou bien que je resterai. Il dit, qu'est-ce que tu vas faire si tu restes? Je ne sais pas, je vais essayer de vivre un peu avec les gens de la place, les Indiens. Et je vais voir. Puis en attendant, ben, je m'occupe de la radio, de la PSF. Il y a des gens qui viennent pour faire remplir des formulaires. Des fois, ils reçoivent du gouvernement du Québec. C'est des citoyens québécois, malgré tout. Ils reçoivent des documents, ils ne comprennent pas. Ils viennent, je peux être à peu près utile comme ça. Puis, il me dit, bon, dans un sens, il voulait dire, au prix que ça coûte, parce que c'était 100 $ par semaine, je ne me souviens pas, mais ça ne payait pas, là, c'était un travail d'été d'étudiant. Et bon, reste là, quoi. Puis tu sortiras en septembre. Et là, je me suis mis à me faire des amis, ne plus que pour jouer aux cartes, et puis ensuite commencer à aller à la chasse ou à la pêche. Partir avec des groupes de camarades pour aller sur la baie, pour chasser le phoque ou chasser les oiseaux plus ou moins migrateurs. Les dairs restaient là très longtemps, bon, ainsi de suite. Et puis, en septembre, j'ai réappelé ce patron en disant, savez-vous, j'aimerais rester, si je pouvais. Parce que je trouve, il n'y a pas seulement l'exotisme du milieu. Il y a quelque chose d'étrange, enfin, pour moi à l'époque, c'est que tout à coup, tu te rends compte, quand tu vis dans une toute petite place comme ça, que l'électricité, c'est pas vrai qu'il suffit d'allumer et que ça fonctionne tout seul. Il y a toute une infrastructure pour maintenir la vie qui est continuellement présente et qui t'oblige à te mêler de voir à ce que les choses marchent. C'est un peu comme quand tu as un chalet dans le bois, ben, tu deviens malgré droit, bricoleur, toutes sortes d'affaires que tu es obligé d'apprendre. Et j'avoue que j'avais été élevé dans un univers des années 50 où précisément la consommation, le confort s'étendait, les appareils domestiques. Et j'aimais ça, cette proximité avec les nécessités, les soubassements techniques et autres de la vie. Et puis, pour la vie de tous les jours, il faut que aller chercher du bois pour se chauffer, et ainsi de suite. Alors, c'était tout le mode de vie que je trouvais intéressant, puis qui faisait appel à des potentialités humaines qui étaient stimulantes. Autant que d'être au cœur de Montréal, dans le Maelstrom des années 60, transformation culturelle, autant être dans ce milieu, c'était aussi un désarçonnement total, puis un retour à des choses essentielles. Et puis, de fil en aiguille, très vite, voir le climat, ça, je n'avais pas de mot pour le dire, mais de dépendance, de passivité des Autochtones, en particulier lorsqu'ils passaient des fonctionnaires du ministère des Affaires indiennes. La petite maison que j'occupais était la seule où les gens de passage pouvaient trouver refuge pour se loger. Et parce qu'il y avait, après ça, il y avait le dispensaire, mais il fallait que tu prennes un lit pour les malades, quasiment, pour l'occuper en passant. Donc, je recevais toutes sortes de monde qui passait avec l'avion, l'hydravion, 2 fois par semaine. Et donc, très souvent, ben, je voyais donc, les fonctionnaires qui travaillaient avec le chef, les conseillers des Indiens, tout ça. Puis, je n'en revenais pas parce que les Indiens avec qui j'étais habitué, c'est des gens assez fiers, gays et tout, et qui, devant les fonctionnaires, le moindre petit fonctionnaire, rond de cuir, des gens sympathiques, mais enfin, pousseront pas, se trouvaient là à devoir, pour ainsi dire, manger leur calotte. Et je trouvais ça décourageant. Puis ensuite, ben, je discutais avec un peu tout le monde. Qu'est-ce que vous l'avez demandé, et ainsi de suite, le problème des maisons, et ci et ça. Et cette impuissance d'agir sur soi-même, ça fait de moi un blanc, dans un sens, parce que le blanc, tel qu'on lui assigne l'image, il veut se rendre maître des choses. Il est pris par le démon prométhéen de contrôler le destin, de contrôler sa vie. Et dans un certain sens, j'ai eu ce réflexe de dire, ça n'a pas de bon sens d'être dans une situation de dépendance et d'humilité face à d'autres de telle manière que simplement par la domination d'une institution, en l'occurrence le ministère des Affaires indiennes, ce qui aidait beaucoup, c'est que je m'identifiais malgré tout à l'administration provinciale, qui était en montée en affirmation, l'État du Québec, maître chez nous, c'était dans l'air. René Lévesque était ministre des Richesses naturelles, donc était en charge des régions nordiques. Faisait qu'une fonction des représentants du gouvernement du Québec, ce que j'étais devenu bien malgré moi, puisque je n'avais plus rien à faire, alors c'était de mener la lutte aux fédéraux. Ce qui voulait dire, chez les Cris, aux affaires indiennes, au ministère des Affaires indiennes. Seulement, c'était tous un peu mes amis. Et comme il n'y avait aucun moyen dans l'administration provinciale, bien souvent, pour quoi que ce soit qu'on entreprenait, j'avais lié amitié avec le directeur général régional des Affaires indiennes. Je l'appelais par la radio. Je dis, ça me prendrait telle chose. Il y aurait-il moyen d'avoir... Pourriez-vous? Bref. Mais il y avait quand même ce contexte, donc, qui rattachait le petit village où je me trouvais à la géopolitique de l'affirmation nationale de la Révolution tranquille. Ce que j'ai fait assez rapidement, c'est de dire qu'est-ce qu'on pourrait faire. Est-ce qu'il faudrait... D'abord, tout le monde disait, ça n'a pas de bon sens, on voudrait avoir la poste régulière et pour ça, il faudrait avoir une piste. Une piste d'avion. Ça, c'est la phase piste. N'importe qui entrait dans les villages nordiques à ce moment-là, je dis, qu'est-ce qu'il faudrait? Tout le monde disait, ce qu'on aimerait, donc ça, avoir une piste. Bon, une piste. Il faudrait avoir trouvé du fric pour essayer d'avoir une piste. Alors, je me suis impliqué, puis je téléphonais à Québec, le directeur général, la direction générale du Nouveau-Québec, qui s'occupait de toutes les activités du gouvernement du Québec, sauf la police et les terres et forêts, dans le territoire nordique. C'était une structure coloniale que René Lévesque avait mise sur pied en arrivant aux richesses naturelles pour libérer les Autochtones du Nord de la domination fédérale et leur faire du bien, alors que le fédéral leur faisait du mal. Je simplifie, bien sûr. Alors, j'ai obtenu... de quoi est-ce qu'ils viennent un arpenteur, par exemple? Et là, ben, il n'y avait pas de budget, vraiment, mais un tout petit peu pour que, si les Inuits, pas les Inuits, si les Cris voulaient bien, parmi eux, se trouver des gens qui s'y mettent et déblayent une piste, ben, on pourrait la déblayer. Puis ensuite, ben, c'est un peu comme dans le cargo Colt. Une fois qu'on a déblayé la piste, peut-être que les avions vont finir par se poser. Et bêtement, ça a été la première chose à laquelle je me suis mêlé. Et toujours en dépendant à peu près totalement de l'auto-organisation des gens du village. Une piste, on ne peut pas passer notre temps à attendre. On peut avoir un petit peu d'être technique, un peu d'argent, il en faut, puis il faudrait bien avoir de l'essence pour utiliser des scies à chaîne si on veut couper du bois, par exemple, ça coûte cher. Ça. Mais essentiellement, il va falloir faire soi-même. Et assez rapidement, je ne sais pas par quelle voie, l'idée d'une coopérative pour pouvoir faire des choses s'est mise à circuler. Et puis, on a entendu parler du fait qu'il y avait chez les Inuits, les Esquimaux, on disait, que les Cris du nord de la Baie-James connaissaient, parce qu'autrefois, jusqu'à Old Factory, il y avait des populations Inuites. Mais ensuite, à cause des divisions administratives, beaucoup plus que d'autres choses, les Inuits graduellement avaient quitté le pays des Cris. Il en restait quelques familles encore à Fort-Georges, sur la grande rivière, le Chisasibi. Mais donc, il y avait des souvenirs de ce qu'il racontait, en rigolant, comment, avec les voiliers, les Indiens dans la Baie-James étaient parfois embauchés comme pilotes sur les grands voiliers de la Baie-James, de la Compagnie de la Baie d'Hudson, par exemple, qui remontaient la côte. Ils arrivaient chez les Inuits, puis il y avait un vieillard qui racontait comment les Inuits arrivaient dans leur kayak, et ils connaissaient un seul mot de cri, « Distamal, du tabac ». Et pour attirer l'attention, il faisait des pirouettes dans les kayaks, en plongeant sous l'eau et en ressortant. Et il ressortait comme ça en criant « Justement !» Et on lançait le tabac, et ça tombait dans l'eau, et les Inuits prenaient les kayaks et juste pour attraper les morceaux de tabac qui étaient lancés par les Indiens. Et il y avait donc une espèce de condescendance, mais en même temps, il y avait des souvenirs. D'autres qui étaient plus malheureux, comme François Trudel, par exemple, trouvera qu'il y avait des guerres au 19e entre les deux, mais tout ça était plutôt effacé, en autant que j'ai pu voir par les narrations des plus vieux. Mais alors, on entendait quand même parler de ça, qu'il y avait des coopératives qui existaient chez les Inuits. Et on s'était dit aussi, on commençait une autre critique assez classique. C'est aussi une critique de blanc à laquelle les Indiens souscrivaient plus ou moins. C'était de dire que la Hudson's Bay les exploitait, la Compagnie de la Baie d'Hudson. Ils se prêtaient assez à ça, au discours de l'exploitation de la Compagnie de la Baie d'Hudson, mais j'ai l'impression, avec le recul, que c'était plus quelque chose d'appris, c'était presque pour être gentil avec les Blancs qui critiquaient la Compagnie. Parce qu'eux-mêmes, il y avait un attachement extrêmement profond à la Compagnie de la Baie d'Hudson. Une relation love-hate, probablement, là, mais malgré tout, ça faisait partie de la vie de la Compagnie de la Baie d'Hudson. Cela étant dit, il est certain qu'il y avait là une place pour un discours que j'ai attrapé, moi, des banalités qui se disaient aux alentours, là. Pas partir de lecture, encore moins de cours que j'aurais suivi là-dessus au collège classique, encore moins aux Beaux-Arts, comme de raison. Sur l'idée d'exploitation, bon, ben, comme je le disais, j'avais entendu parler de Marx sans le lire, donc il y avait ce discours des méchants qui étaient responsables de toutes les misères de tout le monde. Ça, j'étais assez prêt à ça, mais... ça a fini par déboucher sur l'idée que ce serait bien quand même que la passivité et la résignation devant la dépendance, qu'il y ait moyen de faire des choses à partir des moyens du bord qui n'étaient pas très grands. Il fallait donc s'unir. Autrement dit, l'idéologie coopérative, dans sa naïveté, là, se mettre ensemble parce qu'on n'a pas grand-chose pour pouvoir acquérir une capacité d'agir par soi-même contre des puissants qui, de toute manière, ne voudront jamais. Ils vont te maintenir paternalistement dans ton statut. Ça convenait assez bien face à ce problème de la dépendance, de l'impuissance d'agir sur soi. Ce qui est très loin de l'expérience des Autochtones. Quand tu allais dans le bois pour la chasse, et ainsi de suite, il n'est pas question d'avoir affaire à des gens dépendants. C'est toi qui te retrouvais dans une dépendance quasi puérile, infantile, si on veut. Alors, il y avait quelque chose de pas normal. C'était des gens avec qui tu discutais, qui étaient parfaitement sûrs d'eux-mêmes et qui, tout à coup, se trouvaient comme assujettis. Bref, de fil en aiguille, on s'est mis à dire « on va faire un magasin coopératif ». Et puis là, c'est intéressant parce que ça a mis en branle des vieilles tensions qui dormaient. Par exemple, le fait de rompre avec la Compagnie de la Baie d'Hudson, il y avait quelque chose de patricide dans ça là. Parce que la vieille dépendance que moi j'observais entre le ministère... C'était le ministère des Autochtones. C'était une héritière du paternalisme de la Compagnie de la Baie d'Hudson, du temps où elle était, pour ainsi dire, le propriétaire seigneurial, féodal de tout le Nord. Alors, cette rupture-là, là, c'était pas facile. Deuxièmement, on parlait des coopératives. Les Inuits, les Cris savaient qu'il y avait des coopératives chez les Inuits et que c'était un prêtre catholique qui s'en était occupé. Il y avait cette tension-là qui était là aussi. Et puis, les jeunes qui voulaient entreprendre, les plus vieux qui hésitaient, ça a été un débat intérieur terriblement intéressant.